Hey, bonjour à tous, c'est Galaxy aujourd'hui sur FIFA, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre carrière pro. Aujourd'hui, match retour en quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester et tout de suite un match face à Bilbao. C'est parti. Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Salut à tous, je suis en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Ça va Pierre ? Ça va Hervé, bonjour, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour la 32e journée de Liga. Bon, un match pas tellement attendu, contrairement à ce que disent les commentateurs. Sur un match, tout à fait basique face à Bilbao, on devrait l'emporter sans trop de soucis. Quoique, rappelez-vous, effectivement, à chaque fois, quand je dis ça, ça part en couille. Allons-y. Allez, on va essayer de bien débuter. Évitons de faire de mauvaises passes, de mauvais appels, etc. Par contre, je baisse mon son parce que c'est un peu fort dans mes oreilles. Voilà. Très bien. Galaxy qui règle toujours mal son setup. Dembélé qui se pique la balle. Ça débute bien. Allez, c'est reparti, récupéré par le Barça, vite la passe avant de se la faire chipper, Dembélé qui va me la refaire tout de suite. Dembélé, c'est quand tu veux, je passe à l'avant, accélération du joueur français maintenant, pour un centre, oh le pénalty, non mais sérieux, il m'a envoyé chier, oh mais là c'est pénalty monsieur l'arbitre, c'est pas normal, mais non. Alors meilleure attaque, c'est le Barça, ouais effectivement, avec 56 buts, c'est quand même beaucoup. Allez, on est reparti, je suis déçu parce que là, pour moi, il y avait quelque chose dans la surface. Comme il m'a envoyé chier, en tout cas, c'était impressionnant. Après, est-ce qu'effectivement, c'était de sa faute que j'ai chuté? Peut-être pas, mais je trouvais ça assez impressionnant quand même. On va pas se mentir. Allez, c'est bien joué ça. Vers Galax, on envoie directement sur Deulofeu pour Galaxou. Mais non, mais pas là, putain! Pourquoi tu l'as envoyé en avant? Fallait l'envoyer où j'étais? Remarque, j'aurais dû demander une passe en retrait, enfin une passe classique et non pas une passe en profondeur parce qu'effectivement, j'aurais dû me douter qu'il l'avait envoyé et qu'il l'aurait envoyé plus loin. Ah, c'est chiant, putain, sérieux. Allez, go. Allez, allons-y, bien joué. Allez, go mon gars, go. Oh, ah oui, oh comment j'ai fait? C'est moi qui ai marqué? Attends, est-ce que c'est moi qui ai marqué? Non, c'est pas moi, putain, je croyais que c'était moi. Parce que j'avais frappé. En fait, j'ai appuyé sur B pour frapper. Et donc, lui, il a compris. C'est lui qui l'a reçu, apparemment. On n'a rien vu, en fait, ce qui s'est passé. Et donc, apparemment, il a compris qu'il fallait tirer. Ah ouais! Mais trop bien. J'attendais le ballon, en fait. C'est lui qui l'a reçu en premier. Et donc, vu que j'arrêtais pas de taper sur B pour tirer, il a compris. Bah, tire, mon pote. Et il l'a fait. Eh ben, bien. Donc c'est grâce à moi. Quelque part, c'est un peu grâce à moi quand même. Je suis content. Allez, but du Barça avec Paco Alcacer. Bien joué. Oh là là, magnifique 13e minute de jeu. Déjà un but dans ce match. Ça fait plaisir. Et pourtant, c'était très brouillon comme action. Mais je suis content. Voilà, je suis très content. Et c'est moi qui ai spammé vraiment le bouton de tir. Et il a tiré. C'est parfait. C'était pour moi à la base, mais bon. Voilà, c'était un petit peu imprévu. Mais tant mieux, ça fait plaisir. Un petit peu de l'imprévu, on aime ça. Allez, c'est bien joué en tout cas. C'est pas mal joué. Allez, on retourne sur Galax maintenant. La frappe maintenant du joueur français, peut-être, on ne sait jamais. Ouh, c'est au-dessus. Par contre, j'ai été un petit peu déséquilibré, j'ai l'impression, non? Ah non, c'est une sortie de but. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai été déséquilibré et que d'ailleurs, il y avait un penalty d'entrée de jeu normalement. Voilà. Allez, on l'envoie maintenant sur Ousmane Dembélé. Bonne passe. Oh, magnifique ce jeu-là. Alcacer tout de suite. Ouh là là, c'est repoussé le dégagement de la défense. Ah, tu m'as vu, mon pote, tu m'as vu. Bien joué. Ah merde. Vas-y, tu m'as vu. Bien joué. Frappe du joueur français tout de suite. Contré, ça fera un corner pour les Catalans. Eh oui, tu peux bouffer la pelouse. Effectivement. C'est dommage. Allez, gros. Qu'est-ce que vous faites? Oui, la frappe tout de suite. Et c'est le but. 2-0. Et il n'y a pas d'hors-jeu, je crois. Pour l'instant, les passes, on est à 100% au niveau du ratio. Ça fait plaisir. 100% également du côté de Vesga, de l'autre côté. Ok. Bah écoutez, 2-0 pour le Barça. On est bien, là. On est bien, et le doublé, effectivement, le doublé de ce joueur. Regarde ce but au ralenti, c'était encore une fois un petit peu cafoufou, mais il était vraiment tout seul devant. Eh oui, on distribue bien à Paco Alcacer en ce début de rencontre. 24e minute, 3e but pour lui en Liga. Et déjà deux buts, effectivement. Les deux tiers de ses buts, ce sont dans ce même match. C'est incroyable. Allez, la porte qui dégage. Eh ben, et donc, c'est son match. Hein. It's your moment, mon gars. It's your moment. Oula, excuse pour la passe. On a failli ne plus être à 100% là, tu vois. On a failli ne plus être à 100%. Pour l'instant, on s'en sort bien. Hein. Je suis content. Allez, le centre maintenant peut-être pour Galaxou. Non, je t'ai pas dessus. L'appel de balle qui laissait un petit peu à désirer. Oh, la faute, mon Dieu. Moi, je dis carton jaune. Hein. Carton jaune minimum pour Salvio. Hein. Ouais, carton jaune, effectivement. C'est un minimum pour Eduardo Salvio. Parce que là, franchement, c'est un petit peu un attendu. Non, c'est moi qui le tire. Mais pourquoi vous ne me faites pas tirer les vrais coups francs? Sérieux, les gars?
Bon, non, faut vous poser les vraies questions. Ah, dégoûté, quoi. Ils me font tirer que les coups francs indirects. Eh, c'est chiant. Moi, je veux tirer les coups francs directs. Oh là là, mais, eh bien, c'est bien, s'ils commencent à me faire tirer les coups francs, c'est cool. Je vais devoir améliorer cette caractéristique, parce que par contre, c'est pas bobo, hein, mes caractéristiques dans ce domaine. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne me font pas tirer les coups francs, parce que je fais très peu d'entraînement de coups francs, hein, que ce soit entraînement facile ou difficile, parce que même le facile, j'ai un petit peu de mal, pour être franc avec vous. Tu m'as vu. Mais en jeu, c'est un peu différent, remarque. Allez, gros, bien joué, belle passe. Ça joue bien, la frappe tout de suite, et c'est juste à côté, dommage. Alcacer qui a encore loupé le cadre, enfin, qui a loupé le cadre, parce qu'on peut pas dire qu'il a encore loupé le cadre vu qu'il a mis deux buts, faut pas déconner. Il a loupé justement très très peu. Dommage, dommage. Allez, on envoie. Pour l'instant, je crois que j'ai pas fait une erreur au niveau des passes, ce qui est plutôt bien au niveau du ratio de passes, ça fait plaisir. Tu m'as vu? Ouais. Toujours pas loupé, bien joué. Dommage, c'est contré, tu m'as vu. Allez gros, allez gros. Allez gros, tu m'as vu. Gros, tu m'as vu. Frappe tout de suite, frappe tout de suite. Oh là là, mon dieu. C'est n'importe quoi. Tu m'as vu. Frappe du français tout de suite. Et le gardien le repousse. C'est chaud. Oh là là, c'est tant d'axe. Mais il y en a 8,6 alors qu'on est que dans la première période. Ça fait plaisir. C'est plutôt une bonne note, franchement. Allez, tente la tête. Tu m'as vu. Poteau, bien joué. Je la récupère. Je t'ai vu. Oula, mauvaise passe, effectivement, ici. Et ça repart. Peut-être une contre-attaque du côté de Bilbao. San José. Ça part vers Salvio qui a déjà un carton jaune. Il y a une faute? D'accord. Ah, faute du Catalan. C'est en faveur, bien sûr, du coup de Bilbao. Juste avant la fin de cette première période. Ce serait dommage de se prendre un but maintenant. Ce serait effectivement dommage. J'espère qu'on va l'éviter si possible. Allez, bien joué. La pression, c'est cool. Et on va relancer, peut-être, on sait jamais. Allez, passe lointaine sur Deulofeu. Bien joué, la bonne passe pour... Oh oui, bien joué. Oui, 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 monsieur Deulofeu qui, pour l'instant, garde la balle. Le centre essaie directement, logiquement, dans les bras du gardien. Non, mais il repousse du point. C'était compliqué pour lui. Allez, on revient ici, on revient ici. Bien joué. Allez, gros. Vas-y, poteau. Dommage, c'est récupéré. Ah, c'est compliqué pour eux. C'est la fin de cette première période sous la pression des joueurs catalans. Et voilà, en tout cas 2 à 0 effectivement dans ce match. Très très bonne première mi-temps pour le club catalan. Ça fait super plaisir. Ouh, Gérard, comment vas-tu? Elle est où Shakira? Bon, ça c'est fait les amis. Elle est où, elle est où, elle est où? Et Paco Alcacer, un doublé pour lui dans ce début de match. Franchement, je m'attendais pas à lui en tant que buteur aujourd'hui. Mais tant mieux. Bah écoutez, que des pouces verts. Ta dernière passe a souvent été percutante. Et tu as raison, mais bien sûr. Eh oui, je suis là pour ça. Je suis là pour délivrer aussi. Non pas que pour marquer. Parce que c'est vrai que je suis milieu. Je ne suis pas effectivement attaquant de pointe. Comme j'avais pu l'être d'ailleurs dans FIFA 17. C'est différent, je n'ai pas le même poste. Et je m'en mords un peu les doigts d'ailleurs, pour être franc avec vous. C'est vrai, j'en mords un peu les doigts, je crois que dans FIFA 19, on repassera en attaquant, en tout cas vrai attaquant, quoi, tu vois. Allez, c'est parti. Salvio. Oh, Salvio, qui est déjà un carton jaune, attention à lui. Il est intercepté, très bien. Allez, on y va. C'est parti, on avance maintenant. Tu m'as vu, Galaxy accélère. Accélération du joueur français. Oh oui, bien joué, on l'a vu dans la profondeur, peut-être. Oui, pour Galax qui accélère la frappe tout de suite, c'est juste à côté. Oh là là, quelle action dangereuse. Ah, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Je comprends, moi-même, je suis déçu. Allez, ça relance. Ah bah là, il n'y avait personne sur pour lui mettre la pression. C'est un peu dommage. Essayons de rester si possible bien placé. Bon là, c'est facilement récupéré, évidemment. Je l'ai vu au loin, on tente le coup. Ah oh, oui, bien récupéré par Messi. Encore une fois, une très bonne passe hein, du joueur français. C'est fou aujourd'hui. Allez, passe en profondeur. C'est bien joué encore. Oh là là, la reprise de Gérard Deulofeu. C'est fou. On fait que des bonnes passes aujourd'hui. C'est dingue. Et pourtant, là, c'était deux passes risquées hein, pour le coup. Hein. Pour le coup, c'était deux passes assez risquées. Je suis assez fier de mes passes aujourd'hui, pour être franc avec vous. Pas de mes shoots, mais de mes passes. Ouais, je suis content. Franchement. Allez, la pression, les gars. Foncez dessus. Bien joué. Il n'y a pas faute. Allez, on l'a vu. On délivre. C'est important. Allez, ah, il y a faute, oui, bien sûr. Faute de la porte. Et donc, c'est pour le Barça. Et c'est encore moi, d'accord. Et c'est moi, en fait, qui tire les coups francs directs. Changez la caméra. Ah, ouais. On va le laisser là. Allez, les gars, go, go, go. Foncez, foncez. D'accord, mauvais sens. Il n'y avait personne. C'est génial. Mais on sait jamais si quelqu'un court pour y aller dessus. Mais moi, je veux les coups francs directs, bordel. Mais je suis content déjà qu'on me laisse une responsabilité de tirer les coups francs directs. Ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas Luis Suarez, hein, moi je te le dis. Allez,
Très bien. Mais vraiment, voilà, beaucoup de gratitude quand même qu'on me laisse tirer, même si c'est que des coups francs indirects. Je suis content. Franchement, je suis très content. Merde. Ouais, faut que je me replace par contre. Je suis con. Faut effectivement que je me replace. Je vais perdre beaucoup de points là si je fais comme ça. Perdre beaucoup de points. Allez les gars, la pression. On leur fonce dessus, on les récupère vite la balle et on relance. Allez, c'est parti. Go. Ah, mauvaise passe, ça y est, je crois que c'est la première vraie mauvaise passe. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention. J'avoue, j'ai pas fait assez attention. Dommage, parce que là, je pense qu'on aurait pu faire un sans faute aujourd'hui au niveau des passes. Je sais pas si j'en ai fait louper une depuis le début, en vrai. Ah bah ça en fait deux de louper, bah tiens. Que des conneries. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la déconcentration, ça. Ça me fait chier, c'est la déconcentration, c'est génial. Allez les gars. Bon, au niveau défense, j'ai pas trop peur. Quoique, maintenant j'ai peur. Tu vois, quand tu le vois aussi près, tu te dis, ouais, si, en fait, attention. Attention, les gars, un petit peu. Allez, bien, on relance. La vitesse maintenant. Allez, go. Ça relance, c'est bien joué. On envoie vers Ousmane Dembélé. Il a vu Galaxy. Profondeur. Oh, compliqué. J'ai été poussé, mais bien sûr, coup franc. Bien sûr, coup franc pour le Marseille. C'est un carton jaune. Il m'a poussé délibérément. Carton jaune pour Aymeric Laporte. Là, est-ce que je tire, s'il vous plaît, le coup franc direct? Eh voilà, je tire pas le coup franc direct. Ah, c'est chiant. Bah, tire-le, Coco. Tire-le, mon grand. Il le tire direct et c'est au-dessus. Dommage. Ah, mais c'est Messi. Bah oui, forcément qu'ils vont le faire tirer à Messi. Forcément, c'est à Messi. C'est pas moi qui vais le tirer. Hein. Je pense qu'il a une meilleure note en coup franc. Ah, dommage. Dommage. Alors, c'est pas le meilleur non plus de la planète en coup franc, mais quand même. Non, voilà, un peu déçu, quoi. Un peu déçu parce que là, ouais, on me fait tirer avec les coups francs indirects. Je suis déjà content, mais j'attends les coups francs directs. Quand j'aurai peut-être une meilleure maîtrise, justement, dans ce rayon-là, ce serait bien. Ah, oh, c'est pas vrai, quoi. Moi, ils appellent de balle, mais non, je suis pas d'accord. Et le gardien Interstegen qui s'interpose. Allez, je te demande la passe, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, on va en avant. On est sur le coup. Denis Suarez. C'est cool. Ok, repasse sur moi. T'as pas voulu, ok. C'est pas grave, hein. Je te comprends. Ah, je t'ai rien demandé là. Et tu vois, je leur demande rien, ils font la connerie. C'est fou. Y'a pas faute. Y'avait pas faute, mais non. J'ai juste un peu touché le pied. Abusez pas, y'avait pas faute. C'est nul ce que vous faites. C'est nul. Moi je le dis. Attention, le contrôle de Salvio. Ter Stegen qui sort. Et qui reste bien sûr dans sa surface de réparation, qui assure le coup. Il assure. D'accord. C'est bien les gars. Super. Continuez ainsi, ça me fait plaisir. D'accord. C'est la fin du match. On termine avec 9,1, c'est bien. Voilà, on est au-dessus de 9. On est au-dessus de ce que le coach demande. Il me semble qu'il demande 8,9, un truc comme ça, ou 9, hein, pile poil. Donc on est bon. Voilà, tant que je fais des matchs que comme ça, ça me convient tout à fait. On est content, tout le monde est heureux. Ok. Match terminé, beau match face à Bilbao. Et maintenant, ça va être le match que tout le monde attend, le match retour en quart de finale face à Manchester United. De dur en termes de modélisation. Alors, on reconnaît effectivement Piqué, mais c'est vrai que ça pourrait être mieux, je trouve. C'est vrai que c'est pas PES. Hein. Bon, allez, on continue maintenant. Match face à Manchester. On a moins bien joué effectivement en fin de match. Ça, c'est dommage parce que du coup, j'aurais eu peut-être un ratio de passes parfait. Et là, ça n'a pas été le cas à cause de ça. Bon, il y a un petit entraînement ou pas? Ouais, on va le simuler du coup. Pas grand-chose, il n'y a que 2 jours entre les matchs. En tout cas, entre ces deux matchs-là. 2-3 jours, donc c'est pas grand-chose. Oh, 3C, c'est pas... 4C du moins, c'est pas mal. Et il y a un D au niveau du premier entraînement, qui est en plus le plus simple. Match retour en quart de finale, c'est maintenant face à Manchester. Fallait 8,8. Ah, mais c'était le dernier match. Dommage, du coup, on a eu 8,4. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est bon au niveau des occasions créées. On n'est pas bon au niveau du nombre de buts. Et voilà, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Bah écoutez, on verra un petit peu les nouveaux objectifs qu'on aura. Ce sera dans la prochaine vidéo, logiquement, vu que là, c'est la Ligue des Champions, donc c'est encore autre chose. On verra les prochains objectifs et je pense qu'on pourrait les réussir parce que là, on se sent un petit peu mieux, je trouve, dans l'équipe. Je pense que ça peut venir, tu vois. Je pense que, voilà, il y a un petit truc à faire. Allez, oh, Polo, Paul Pogba, il va nous mettre une mine. Alors, pour l'instant, on cumule 2-0, donc on n'est pas trop inquiété effectivement pour le match retour. Un temps clair, ça c'est bien, voilà, on va faire un beau temps aujourd'hui, on va se faire plaisir face à Manchester, c'est cool. Et donc on est assez rassuré effectivement par le score qu'on a eu au match aller, hein, qui était donc 2-0. Logiquement, ça devrait pouvoir se faire. Eh bien écoutez, on est parti, let's go. Avant que ne débute ce match très attendu,
la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement des buteurs et qui va tout faire pour marquer encore une fois aujourd'hui. Tout va se jouer dans ces 90 minutes, au plus, si affinité, avec une équipe visiteuse qui arrive avec un avantage. On le rappelle, elle avait gagné le match aller chez elle. Oui, elle a pris une belle option, elle a de l'avance, mais on peut compter sur les locaux pour mettre la pression et essayer de faire leur retard à la marque. Ce match qui va nous permettre de retrouver deux immenses clubs européens face à face, Barcelone et Manchester United. Oui, oui, les Red Devils qui se sont cassés les dents deux fois en finale de l'AC1 contre le Barça, en 2009 et en 2011. Le but de Léo Messi dans les deux cas. Waouh, par contre c'est vrai que Paul Pogba, pour le coup, lui, il est super bien modélisé. Allez, on est parti les amis pour ce match face à Manchester United. Ça va être show tonight. Allez, let's go, on y va. Et là, il n'y a pas un manque de couleurs, tu vois, ça fait plaisir. Là, le jeu est magnifique au niveau couleurs. C'est bien. Allez, Galaxy en profondeur maintenant. Je l'ai vu, bien joué. Suarez qui va se faire peut-être piquer la balle. Tu remarqueras que Suarez s'est reposé pour ce match. Hein. Oh oui, quelle erreur! Oh, vas-y! Dommage, j'ai failli la reprendre. J'ai fait un mauvais tir parce qu'en fait, je pensais pas que j'aurais pu l'avoir. Eh ben si, je l'avais. Dommage. J'ai pas géré sur le coup. Allez, Klein qui envoie Ousmane Dembélé, effectivement. Ils ont reposé Suarez pour ce match et ils ont eu raison. Dommage, j'ai tenté. Allez, ça relance. André Gomez qui peut récupérer pour le Barça. Très bien. Dembélé sur l'aile droite. Allez, bien joué pour Galaxy maintenant. Il est passé Galaxou. La frappe tout de suite du joueur français, c'est contré. Ça fera un corner. Allez, il faut persévérer, mais pour l'instant... Oh non! Ça n'a pas été contré, sérieux? C'est moi qui l'ai mis dehors? C'est moi qui fais ce tir dégueulasse? D'accord. Bah c'est qu'on m'avait mis vraiment sous pression, hein. De ouf, hein. Ouais, la passe de la tête, bien. Allez, go. Allez, le Barça, il y a peut-être... Ah, dommage. Ah, le frérot Suarez, là, qui s'est un peu cracouillé. Allez, moi, je reste derrière. Il a dégagé, dommage, pour nous. Et c'est parti maintenant. Magnifique contrôle de Shaqiri. Ça envoie en direction de Lukaku. Lukaku, ouais, c'est récupéré par le Barça, mauvaise passe. Ah non, ah non, ah non. Oui, Galaxy, interception. Dommage. Paul Pogba maintenant, Pogba qui passe. Pogba le dribble incroyable. Sans peur. Allez, on y va. Go. Ça envoie sur Luis Suarez. Cancelo. J'ai essayé de la récupérer, de mettre la pression. Parce qu'une interception, ça peut tout changer. Hein. Vraiment, hein. Ça fait mal. Hein. Allez, Dalbert. Oh, tu sens que l'équipe, elle a du répondant, hein, surtout chez Z à domicile. À Old Trafford, ça pique. Ah, c'est pas ce que je voulais, ça. Et ça revient sur Paul Pogba. Le tac magnifique du joueur français. Face à son compère à Manchester. Eh ben, pour l'instant, match qui n'est pas en faveur, forcément, du Barça. Attention. C'est surprenant. Première fois qu'on a vraiment de la rivalité. Il n'y a pas de faute, c'est bien joué, bien défendu. Allez, on envoie. On envoie la passe longue vers Ousmane Dembélé, ça joue bien. Non, quel dommage. Quel dommage, on est concentré. Hein. Paul Pogba maintenant. Ah, j'ai voulu y aller, faire un petit tacle debout, ça n'a pas marché. Lukaku, mauvaise passe. Allez gros, avance. Dégage-moi ce ballon, faut éviter les risques. Niveau barre d'énergie, on n'est pas à fond. Hein. C'est vrai qu'on a fait le match juste avant, j'aurais pas dû le faire. Si je comptais être bon aujourd'hui, j'aurais pas dû faire le match d'avant. J'aurais dû peut-être faire qu'une seule période. Ça aurait été mieux. Surtout que la deuxième période était pas terrible, terrible. C'est ça le pire, donc du coup, j'aurais pu éviter. Allez, Lukaku qui se retourne. Il passe Lukaku dans cette surface, la frappe. Et c'est capté par Ter Stegen qui va pouvoir relancer pour son équipe. Allez, Tejes maintenant. Ah, c'est bien gentil, mais voilà quoi. On est un petit peu enfermé. Allez. Attention. Putain. Mais je le savais que ça allait revenir comme ça, tu vois. Oui, bien joué. La frappe de Galaxy, peut-être. Aïe, aïe, c'est trop centré. C'est trop centré, trop sur le gardien. J'ai tenté, mais effectivement, mauvaise frappe du joueur français. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, hein. Et c'est dur, franchement. Hein. Ce match est compliqué à jouer. C'est vrai que c'est ça joue beaucoup mieux. Dur de passer, quoi. Très dur de passer. Bien joué. On l'a vu. Galax, maintenant. Qui va y aller? Galax. Ah non! Putain, j'ai pas pu. Pourquoi je suis pas resté sur la gauche? J'ai voulu me replacer bien, tu vois, dans l'angle. Pour pouvoir avoir une... bah, un angle plus simple pour tirer, tout simplement. J'ai foiré, j'ai vraiment foiré. C'est chiant.
Franchement, c'est chiant. Oh là là. Terriblement difficile, quand même. Allez, toi, je t'ai vu. Tu n'auras pas le ballon. Oula, il y avait une petite faute là quand même. Mais enfin bon, c'est la fin de cette première période. Pour l'instant 0-0, bah toujours l'avantage bien sûr pour le Barça grâce au match aller. Mais c'est vrai que là, le match est assez serré et franchement, c'est vrai que cette qualification en demi-finale se jouerait sur un seul match, celui-là, ça serait pas gagné franchement. Pour l'instant, c'est serré. Allez, on passe maintenant à la seconde période face à Manchester. Bah que des pouces verts, important de la part de mon coach, je suis assez content. Passe bleu. Mais ouais, au cumul pour l'instant 2-0, pas de problème. Et en plus on avait marqué à l'extérieur, donc voilà. C'est vrai que c'est plus simple pour nous, on a une position beaucoup plus, on va dire, rassurante. Allez, Galaxou maintenant, j'envoie là-bas sur le frère Suarez. Ok, Shaqiri, accélération de Shaqiri, ouh ça va vite. Shaqiri, ouh là, qui a eu un petit peu de mal, là, qui, on dirait qu'il s'arrêtait un petit peu en quelque sorte. Ouais, je l'avais vu, pourtant je l'avais calculé. Il m'a fait un coup de tête, il m'a foutu un coup de tête ou je rêve? Je sais pas. Allez, le centre maintenant, attention, il est dangereux. Bien dégagé. Tu m'as vu, yes. Je t'ai vu aussi. Allez, faut y aller. Ah putain, fallait la faire au loin, j'étais bien. J'étais tellement bien là. Allez gros. La pression par contre. Hein. La frappe de Martial, c'est à côté, très bien. Dans le public. Ah, il fera un heureux. Et pour l'instant, cette virgule-là, on n'arrive pas à monter la note. C'est pas grave au pire. Hein. Mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir entretenir notre classement de meilleur buteur. Et pour l'instant, on est devant. J'aimerais beaucoup, mais c'est difficile. Mauvaise passe du joueur français. Compliqué, mine de rien. Compliqué, compliqué, ce match. Bon, attention, magnifique passe en direction de Shaqiri dans la surface de réparation. La frappe est Ter Stegen, magnifique réflexe. Ouh là là, la parade de Ter Stegen, superbe. Et c'est Marcus Rashford qui va remplacer Shaqiri. Incroyable là, cette parade du gardien. Superbe, superbe. Les gars, dégagez-moi ça s'il vous plaît, ce sera bien. Allez, un point à relancer, respire un petit chouïa. Il y en a besoin. Allez, faut que tu respires, comme dirait Mickey 3D. Alors, Clyde. André Gomez, on envoie sur Galax. Hop, on envoie un peu plus loin vers Denis Suarez. Magnifique la fin de Suarez là. Profondeur tout de suite, profondeur. Frappe tout de suite. Ah, c'est juste à côté, putain, il aurait dû me la faire. Je pensais que c'était moi qui l'avais, c'était brouillon. Je savais pas qui c'était qui l'avait, est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était moi. Du coup, je me dis tirer. Dommage, dommage, dommage. Il aurait dû me refaire la passe, remarque, on était bien. Hein. Il n'y avait pas en jeu. Hein. Il aurait pu me la refaire. Ça aurait trompé un petit peu l'adversaire, je pense. Ah, normalement, ça, c'était une occasion de but, hein, bon sang de bonsoir. Hein. Normalement, ça, c'était vraiment une occasion. Une occasion à ne pas louper. Allez, bien. Messi, maintenant. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Vas-y, gros. Non, putain, c'est trop dur. Allez, Pogba, qui récupère? Non, mais c'est un truc de fou, quand même. Sérieusement. Ce match, on a l'impression qu'en fait, on garde le ballon 3 secondes, c'est déjà bien. C'est vrai? Tu m'as vu. Allez gros. Bien joué. Accélère, accélère, accélère. Ils mettent la pression. Je garde le ballon tout de même. C'est bien joué, ça passe pour Léo Messi. Je l'ai vu. Shoot tout de suite. Putain, il a pas réussi à la prendre là. Ah, c'est la pression. Ah, c'est la pression. J'aimerais bien gagner le match en fait. C'est pour ça que je me fous la pression tout seul. Ouais, ça va sortir, il me semble, en corner, ça. Ouh, ouais, deuxième corner. Attends, je vais demander le ballon. C'est quoi? Je suis là, mec. Bon, bah, j'aurais pas dû faire ça. J'ai voulu tenter quelque chose, putain. Fais chier. C'est chiant. À la contre-attaque. C'est loupé, du coup, mon grand. Ah non, merde, putain. Appel de balle alors qu'il était juste devant. Mais ils sont cons, les gars, aussi. Hein. Ils réfléchissent pas, ils se disent pas, mais il y a un mec juste devant, je vais quand même pas faire la passe, tu vois. Non, non. Ça ne réfléchit pas, en fait. C'est bête. C'est complètement bête. Allez, on y va. Je l'ai vu. Vas-y, gros. Oui, Galaxou maintenant. Il va repiquer au centre, Galaxou. La frappe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sérieusement, je t'ai vu. Frappe tout de suite. Mais c'est quoi cette frappe de gamin de 2 ans là? Sérieusement, il a aucune puissance. C'est nul. Oh là là. Je vous jure. Allez, go.
Les Blaugrana qui ont le ballon. C'est possible, sérieusement. Et on essaye pourtant. On y va, on bourrine, mais on n'y arrive pas. C'est fou. Sérieusement, il n'y a pas moyen d'aller plus loin que la surface. Ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou. Ça défend trop bien. Ça défend trop bien. Ça me rend dingue, mais c'est Manchester en même temps. C'est normal. Mais comment on a fait pour leur coller 2 à 0 alors? C'est ça ma question, moi. Allez, gros. Bon, c'est fini, dommage. Mais bon, on passe tout de même en demi-finale grâce au match aller avec nos 2 buts à 0 marqués à l'extérieur. C'est quand même plus classe quand on arrive à gagner les deux matchs. Là, bon, voilà, il y avait quand même un match un peu pas foiré, mais 0-0, ouais, c'est pas démonstratif, quoi. Ouh, au petit bouc, j'aime bien. Allez, bah écoutez, voilà, c'est une victoire en tout cas pour le Barça dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. Nous sommes qualifiés en demi-finale grâce au match aller, hein, pas au match retour, qui était pas vraiment fandard. Et 7,3 de moyenne, c'est pas foufou. Allez, allez. Peu de joueurs, ah merde, j'ai pas le temps de lire. Mais on a eu que du positif, hein, quasiment. Vraiment, quasiment que du positif. Et donc voilà, je pense que vraiment, c'était l'équipe d'en face qui était très très forte. Manchester United, c'est une grosse grosse cylindrée tout de même. Eh bien écoutez, en tout cas, on est à 76 points dans cette Liga, c'est énorme quand même. On est un peu moins de 10 points, on est à 8 points au-dessus. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal, je suis assez content. Et c'est vrai que c'est super serré entre le deuxième et le troisième. Là je ne sais pas qui c'est qui va l'emporter. Le Real a un point de plus, c'est rien du tout. Donc je suis curieux de voir écouter la fin de cette Liga parce que franchement elle va être intéressante jusqu'au bout. Pas forcément pour moi parce que je suis devant, mais pour le deuxième et le troisième. Ça va être super intéressant. Bref, merci à tous, on se retrouve les amis très 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 prochainement pour la suite. On jouera contre qui la prochaine fois? On jouera contre... Alors on n'est jamais sûr en fait parce qu'il se peut très bien que je ne sois pas retenu pour certains matchs. Mais en tout cas il y aura plein de matchs de Liga et il y aura également la suite en fait de... La Ligue des Champions qui n'a pas encore apparemment été établie. Ok. Bon bah écoutez, merci à tous, portez-vous bien et à très très bientôt. C'est tout le monde.